got history, yeah. Donc nous sommes à bord de la 360 Modena. Donc ton prénom c'est comment? Moreau, M-A-U-R-O. D'accord, Moreau. Et donc c'est une 360 Modena de quelle année? 2001. Moteur, alors le moteur? Moteur central longitudinal. Oui. Arrière. Oui. 8 cylindres. Oui. 48 soupapes. 40 soupapes, pardon. Oui. 400 chevaux. Oui. Et c'est un modèle à boîte mécanique. D'accord. Ça m'a toujours impressionné ces boîtes-là. Je te jure. C'est marrant. Le son est... Donc c'est un son, tu m'avais dit, Tubistyle, un échappant Tubistyle. Oui. Je connais aussi la marque. Version européenne, ouais. Exactement, boîte mécanique. Modèle qui a été vendu dans la principauté de Monaco et ensuite qui est parti en Australie carrément. Avant de revenir en Europe. Ah ok, d'accord. Et tu es un passionné de Ferrari aussi? Oui, c'est ma quatrième Ferrari celle-ci. D'accord, ok. Moi aussi j'adore cette marque-là, c'est vraiment un honneur pour moi pour monter là-dedans. J'adore ça. Ça va, elle est pas trop tape-cul finalement? Non, ça va. Alors, la chaussée est de bonne qualité. D'accord, ouais, mais... Oui, il y a traitement des vitesses, là, c'est vraiment... Ah oui, c'est spécifique à la Ferrari, ça, la grille en métal. Ah oui. Tu veux ouvrir, non? Oui, je veux bien, parce que je cherchais justement. Oui, la clim est d'origine. Oui. D'accord. Donc là, c'est quoi? C'est un autoradio C'est l'autoradio Ferrari. Oui. C'est un lecteur de disque. D'accord. Ah, ok, carrément. Ah, mais super. Ok, d'accord. Mais bon, on le met jamais parce qu'on préfère écouter le bruit du moteur. Oui, attends. Et après, voilà, je vois pas là-bas au bout du coup, je filmerai tout à l'heure. Ici, tu as le numéro de série du véhicule. Oui. Comme sur toutes les Ferrari. Mm-hmm. Et à gauche, les trois ronds, c'est quoi? C'est le... Ici, là? Oui. T'as le température d'eau moteur, oui. Température d'huile moteur et pression d'huile. D'accord, ok. T'as le contour central, oui, la vitesse. Compteur kilométrique. Oui. C'est en quoi? C'est en numérique européenne. D'accord. Ah ok, c'est pas en... Toute l'instrumentation est en européenne. D'accord, oui, c'est un modèle bien. Européen. Oui, oui, comme tu m'avais dit, ouais. Puis l'intérieur est vraiment bien, il a été bien entretenu. Oui, oui. Là c'est en velours. Ça c'est l'intérieur d'origine. Vraiment très beau, le rétroviseur, l'arrière, j'aime bien voir ça, là, les écopes. Ah oui, ça c'est des prises d'air pour l'admission, ça. D'accord, ok. Et en bas, c'est pour refroidir les freins. D'accord. Chaussée en oui. Bon état, oui, bien sûr, on est bien porté. Hein. Ah ouais, bien sûr. Bah, comme toutes les voitures de sport de grande qualité, les amortisseurs.
épaisseurs sont très dures pour la tenue de route, donc dès que tu as des poules ou la chaussée en mauvaise, de mauvaise qualité, tu le ressens tout de suite. Ah, bah, oui. Là, c'est du cuir tout ça? Oui, c'est du cuir surpiqué. Oui. Cuir, des arbres. Alors là, tu m'avais dit? Oui, ça c'est le pour sigler la victoire au championnat du monde 2000. Ils avaient mis une petite plaquette pour mémoriser pour valoriser le championnat du monde. D'accord. Ça pousse tout de suite. Et là, tu vois, oui. on est en cinquième. Ouais, cinquième, ouais. En cinquième, tu peux repartir presque au ralenti. Regarde. D'accord. C'est un couple énorme, phénoménal. T'as pas besoin de rétrograder pour repartir, même en cinquième. Tu vois. Bon bah, je te remercie, tu me réalises un rêve de plus encore. Je suis fan de cette marque. J'aime bien Schumacher. Alors c'est sûr que la production de Ferrari est quasiment à 90%, ce sont des véhicules rouges. Donc depuis les années 95, le marketing et tout a fait que les gens commencent à préférer des couleurs différentes que le rouge. Mais moi on m'avait dit que la couleur originale c'était le jaune du volant. Voilà, c'est ça. Après les gens ils disent mais non c'est pas vrai, bah si c'est vrai. C'est les couleurs de la région de Modène. De Emilia Romagna, de la ville de Modène. Les armoiries de la ville sont jaunes. D'accord. Mais après ils ont passé le rouge. Mais en fait le rouge, comme je l'expliquais tout à l'heure à mon livre là, le rouge c'est la couleur des voitures de course italiennes dans les années 50. Les voitures françaises étaient bleues, les voitures anglaises étaient vertes, les voitures allemandes étaient grises. Mais après, lorsqu'ils ont fait quand il y a eu le sponsoring qui est venu dans les écuries automobiles, quand la publicité sur les voitures a été autorisée, après ça a été la dominante des publicitaires. D'accord, oui. Et qui fait que petit à petit, on a perdu un peu les origines des véhicules. Mais on peut remarquer qu'à chaque fois sur les Formule 1, par exemple, les Formule 1 allemandes, il y a toujours un fond ou une dominante de gris. Parce que c'est la couleur nationale des véhicules. D'accord. On distingue un peu les véhicules encore un peu comme ça. Mais avant-guerre, c'était très flagrant. On ne reconnaissait les véhicules que par rapport à leur couleur. Et les Ferrari que tu as eu avant, c'était quoi? J'ai eu la première que j'ai eue, c'est une 308 GTB. Oui. J'ai eu une 328 GTS. Oui. Après, j'ai eu une Testarossa. Ah, génial ça. Tu l'as gardé longtemps la Testarossa? Je l'ai gardé 13 ans. 13 ans, ah oui. Et depuis 6 ans, j'ai celle-ci. D'accord. Et la Testarossa, ça a été, ça a pas au niveau de. Aucun problème. T'as pas eu de problème? Pas de. Aucun. Pas de soucis? T'as pu. Rien du tout. T'as pu te faire plaisir, on va dire. Oui. T'as pas été contrarié par. Je l'avais acheté au père d'un pilote de Formule 1 à l'époque. J'en étais très content, mais j'avais envie de changer et je voulais une Ferrari un peu de couleur différente et plus facile à conduire malgré tout. Ah bah oui, plus pratique. Oui, bien sûr, oui. Et les autres boîtes de vitesse des autres Ferrari, c'était la même chose? C'était des boîtes, voilà, des boîtes méca, toujours. Toujours. Et donc oui, tu appuies sur l'embrayage, tu as juste à faire ça, en fait, c'est un simple coup à prendre. T'as eu du mal au début de... Ah non, jamais. Non, jamais. C'est comme apprendre à faire du vélo une fois qu'on a fait. Voilà, on s'habitue au véhicule. Il faut s'habituer à la conduite des véhicules rapides au début. Ouais. Donc, soit on prend des cours de pilotage, soit on y va progressivement. D'accord. Et au niveau des freins, tu as quoi là-dessus? Les freins, c'est des freins. En fait, à l'origine, c'est des freins Brembo. Oui. Qui sont réétiquetés Ferrari, mais sinon, c'est des étriers. C'est des étriers fixes à 4 pistons. D'accord. Et c'est des disques rayurés perforés. Bon, les modèles suivants comme les F430 ou les 458 Italia, c'est presque toutes des freins céramiques. D'accord. Donc le freinage est plus performant, mais bon,
Déjà là, ça, c'est pas mal. Hein. Et tu penses quoi des Bordéales? T'aimes bien ou... Moi, je suis un peu... Je suis un peu déçu des nouveaux modèles, quoi, parce que ils commencent à privilégier la grosse série et puis beaucoup d'équipements électroniques pour plaire à la clientèle, mais je trouve que ça perd un peu de rame. Oui, ça perd un peu du charme voilà. Du début. Oui, t'as raison. Les SUV, on peut faire un SUV en plus. Oui, les SUV, tout ça, je trouve pas ça très beau. Ouais, et puis là, maintenant, après la 458 Italia, il n'y a plus de 8 cylindres en atmosphérique, ce sont toutes des turbos maintenant. Ah, d'accord. Alors, à voir, quoi. Tu penses que le turbo, c'est plus... Bah, c'est pas du tout la même souplesse, pas du tout la même conduite. Il faut tirer, quoi, il faut pousser, quoi. Le moteur atmosphérique, comme ça, c'est plus facile, c'est plus agréable, je trouve. Pas trop comme voiture un peu. Non, là on est à 90 degrés en température d'eau. Les fluides non chauffent pas, au contraire, même plus tu roules vite et plus c'est frais. Ah, bien sûr, même ça quoi. Plus tu lui donnes de l'air à aspirer. Moi j'aimerais bien malgré tout me payer une 458 Italia. Ah oui, ouais. C'est vraiment le modèle, c'est le modèle le plus abouti quoi, des 8 cylindres. Moi ma préférée c'est la F40 bien sûr. Ah la F40. La F40 c'est mon modèle que j'adore. Après la F430 que Schumacher a développé Scuderia. La Scuderia 16. Je suis monté dedans, j'avais gagné un concours YouTube et bon, mais il pleuvait donc on n'a pas pu faire grand chose on va dire. Et ouais, c'est mes modèles vraiment. C'est vrai que les nouvelles commencent à être un peu trop modernes. Trop, voilà, les 250 California, tout ça. Oui, c'est un peu trop. Ça fait un peu soucoupe volante. Oui, oui. Après, ils veulent faire Ferrari en mode GT. Bon. Et donc, sur celle-là, tu as tout d'origine alors. T'as rien qui. J'ai juste les jantes que j'ai mis l'option jantes. Ces jantes-là étaient des jantes qui étaient réservées au marché américain, principalement. C'est la seule modif que j'ai fait. Est-ce que tu as quelque chose, un site, un Facebook, un Instagram, non? Sur WhatsApp, je suis. Oui. D'accord. Ben, sinon, je peux retrouver sur YouTube, c'est ça, non? Moi, oui, tu pourras me retrouver sur YouTube. Ouais, ouais. Je te donnerai une. C'était pour toi pour faire un peu de pub si tu faisais des photos. En tout cas, je te remercie vraiment parce que franchement, c'est un rêve. On ne monte pas tous les jours. Et les bruits, c'est vrai que. On te laisse garer facilement, les gens te disent bonjour, ils lèvent la main, bien sûr, ils encouragent. D'une façon générale, quelle que soit la Ferrari, les gens varient comme moi. Les gens varient, je ne peux pas m'empêcher de prendre en photo, voilà. C'est sûr. C'est normal. Quand on aime Ferrari, bien sûr. En règle générale, il peut y avoir 50 Porsche, tu mets une Ferrari dedans, c'est sûr. Tout le monde va remarquer la Ferrari. Bien que les Porsche soient des très belles autos. Après, tu as le logo Ferrari, tu as le charme Ferrari. Oui, et puis toute l'historique. Bien sûr, oui, Enzo. L'histoire Ferrari, c'est quand même un truc sympa, quoi. C'est clair.
Alfa Romeo. Oui, j'ai deux vieilles Alfa Romeo. J'ai une Giulia 1300 de berline de 77. Oui. Et j'ai un Speeder Alfa Romeo, de, un Speeder Junior de 1972, un 1600. Et je suis en train d'acheter une Giulietta berline, une Giulietta TI de 1959. Tu es un amoureux des voitures italiennes. Oui. Le rouge Dacia, c'est pas le rouge Ferrari. Ah, t'as des jantes spéciales, par contre. Oui, oui, bien sûr, oui. Il s'en est allé, Christophe? Ouais, je me mets là, devant, là. Vas-y, tu peux y aller. Ok. T'as redressé ton capot, non? Oh, ah, putain, je suis vert. Je pourrais pas te faire un tour de 205. T'as oublié, t'as oublié. Le capot, de... est... ah, il est... T'as oublié de le fermer en partant. Ah, ah putain, vert. Ah, j'avais pas vu, non, mais j'avais pas vu. Je Jean-Louis, il dit, putain, oh, il a pas ouvert. Je suis arrivé comme une balle avec mon fils, avec ouais, tout à JC. Il s'est mis debout. Truc de fou. Qui c'est qui monte dans la Mustang, alors? Ah bah vas-y ouais, alors. Bah écoute, je te remercie, on te lance du tour. Bah écoute, ok. Et donc la vidéo, tu pourras voir sur ma chaîne YouTube, La Passion Automobile. Ok. Et les photos sur Instagram, La Passion Automobile.